Non mais encore, il y a des bâtiments, tu sais, ils ont pris les styles anglais, français et allemand. Ouais, ils ont tout mélangé. Les bâtiments français, ça va, mais les bâtiments allemands, je les trouve horribles. Mais vraiment. Site Express, tiens. Ça fait Allemagne de l'Est. La toute dernière révolution anti-rouille de Nivea qui s'inspire de votre peau. Nivea Q10 Plus pour la première fois concentrée dans les perles. Les perles. Mais en fait, j'ai eu un drop. Attendez, je vous ai coupé. Théotime, on t'entend plus. J'ai coupé le son tant que la pub elle se barre. Voilà. Putain, faut vraiment que je résoudre ce problème. Hein. C'est incroyable, c'est insupportable. Pourquoi là, ils me disent qu'ils n'ont pas d'eau? Pourtant, ils devraient bien avoir de l'eau. Mais non, ils n'ont pas d'eau. Puisqu'il n'y a pas d'électricité. Et je ne vais plus avoir de... Si, j'ai assez de tout. Oh, fou, ce miracle. Super. Bon, bah écoutez, voilà, c'est bon. On va commencer à gagner de l'argent. Par contre, oh là non, ça va être horrible. J'hésite franchement à utiliser le mode monnaie illimitée parce que ça me fait chier en fait. J'ai plutôt envie de faire un truc pour le fun. Enfin au moins l'activer au début, vous voyez. Ils vont pas aimer. Cette route est dégueulasse, merci Jukane, ça fait plaisir. Du fond du cœur. Et qu'il arrive vite des games. Elle est pas dégueulasse, ça va, c'est juste un... Ouais si, on dirait un testicule mais... Elle est pas dégueulasse, elle est juste moche. Ça va quoi. Wow. Ça reste raisonnable. C'est honnête. Je suis quelqu'un d'honnête, moi, par nature. Hashtag grand l'argent des abonnés. Ouais. Eh, j'ai plus de sous. Eh, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous, sous. Je suis sûr que ça amènerait du monde de te faire chanter dans mes lives. Quoi ? Ça devrait amener du monde de te faire chanter dans mes lives. Ouais. La prochaine fois, on interprète Les Sardines de Patrick Sébastien. Oh putain, t'as vu la nouvelle chanson ? Non, j'ai pas vu, mais j'ai pas envie de la voir. Ah non, mais je veux pas la voir. Hein. Tu viens de me le dire, du coup, je vais le faire. Va voir, je te jure, c'est pas drôle. Franchement, moi, ça m'a même pas fait rire quand j'ai entendu ça la première fois. Ça m'a gêné, tu vois. Donc, c'est une des Sébastien ? Ouais. C'est laquelle ? SMS. C'est celle qui dit qu'il y a une polémique sur une de ses chansons. Ah oui, oui. Alors, on va voir. Il y a plusieurs... Ouais, il s'est fait censurer ou quoi, je le trouve. Ah ouais, c'est bon, ça m'étonnerait presque pas. Hein. Ah non, il y a presque, en fait, je crois qu'elle y est, mais elle est tellement cachée par les vidéos polémiques qu'il y a loin tout au fond. Parce que là, il n'y a que des interviews de... Les gens, ils râlent, quoi. Il y a des gens qui savent bien faire ça. Alors, tac. Ah, mais je m'en... T'en sors ? Je les cherche, là. Je cherche cette vidéo. Ah, non, c'est pas ça. Ah, non. Bon, la vieille, il a une chaîne YouTube. Patrick Sébastien. Oui. 3 abonnés. Ah, c'est bon, je l'ai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est pour ça que je fais ces lives, d'ailleurs. Pour pouvoir discuter un peu avec vous. What? Mais c'est quoi ça? C'est vrai que ça fait beau. Ne chante pas ça ici, je vais me faire censurer moi après.
Mais c'est tellement tendancieux les paroles, mais. Mais c'est pas tendancieux, c'est explicite, ouais. Ouais, mais c'est. Ouais, mais ils veulent faire semblant de parler d'autre chose, mais. Ah non, non, je t'assure. Excuse-moi, mais. Une petite pipe avant d'aller se coucher. C'est quand même très tendancieux. Je sais pas m'en remettre. C'est horrible. Oh mon dieu! Et moi, à chaque fois que je suis sur le live, il me. En fait, voilà. On va le faire. À chaque fois que t'es où? C'est quoi? À chaque fois que t'es où, t'as dit? Non, je sais pas, il y a le live, parfois il s'arrête pour moi. Ah ouais? Ouais, mais Twitch c'est chiant. Franchement, c'est vraiment. Je suis casse-couille, Twitch. Ils vont te couper, ils vont te censurer. Oui, ça va. Je suis Charles. Alors par contre, là, il y a un truc qu'il faut faire, par exemple, c'est mettre des services. Ah oui, j'ai pris le temps. Quartier. Ah ouais, les bâtiments. Par contre, les bâtiments européens, les bâtiments de services, je les trouve classe. Ça dépend l'hôpital, je le trouve carrément moche. Il est réaliste, mais il est moche. Alors du coup, mon pompier aussi. Oh, caserne de pompiers, elles sont. Ouais, c'est les casernes de pompiers, c'est pas beau. Oui, c'est des casernes de pompiers allemandes. C'est pour ça que c'est pas beau. Amiens, je leur mets le lien sur le live. Tu quoi? Je leur mets le lien sur le live. Bah écoute, si tu veux, ouais. Allez. Je sais pas si beaucoup de monde regarde actuellement. La 6. Si, c'est pour ça. Si, bah écoute, ils parlent pas, mais ils sont discrets. N'hésitez pas à follow s'il y en a qui si ce n'est pas déjà fait pour certains d'entre vous. N'hésitez pas, voilà. Il n'y aura pas de notification cette fois. Ça me fait chier d'ailleurs, parce que j'aime bien les notifications. Mais ça fait un peu pro, tu vois. Mais, Depuis ce matin, tu sais, j'ai posté la vidéo comme quoi j'allais faire un live. Comme ça faisait longtemps que j'en avais pas posté, il y a tous les nouveaux qui sont venus s'abonner à la chaîne Twitch. Ce matin, j'étais à 210 personnes d'abonnés. Ah. Là, je suis à 254. Alors que j'avais pas fait de live, tu vois. Alors là, c'est ça. C'est la musique de Satan. Ah, mais. C'est ça. Ah, je crois qu'il est presque dans ma tête. Il n'y est pas encore, mais elle approche. Tu chantes pas ça à tes parents? Non. Non, on va éviter l'accident diplomatique, n'est-ce pas? Oh putain. Mes habitants sont malheureux, mais je t'emmerde. On est malheureux. Attends deux secondes, j'ai un peu fait n'importe quoi là à ce début de live, mais c'est normal. Putain, mais j'ai même pas lu. Oh, mais vous avez écrit plein de trucs! Vous avez écrit plein de trucs, mais en fait j'avais ma page qui était bloquée depuis le début. Ah, c'est pour ça qu'ils étaient discrets. J'ai des doutes au fait qu'ils t'acceptent sur Velden. Bah, va te faire foutre, écoute. Si tu m'aimes pas, tu dégages. la musique de Satan et hello Benji. Il y a quelqu'un qui fait sa pub tranquillement. Mais peut-être qu'ils sont malheureux les habitants, il n'y a que des routes. C'est vrai, j'avoue, mais moi j'aimerais avoir des routes aussi jolies. Pourquoi ils se plaignent? Ils sont chiants. Ouais, mais moi j'aimerais pas habiter à côté d'un autoroute. D'un autoroute. Eh, je vous signale que ça fait 9 minutes que non-stop, il y a zéro image perdue. Ah. Ça sent bon quand même. Elle s'avoue aller maintenant. Elle s'avoue, il faut qu'elle aille quoi. Mais non, mais ça c'est italien. La caserne elle est italienne, elle est pas allemande. Italienne, t'es ouais. Sûr? Oui, il y a le drapeau italien. Ils zooment dessus. Ah oui, si, vas-y, je suis dessus là, regarde le lab. J'étais persuadé que c'était un. Non, je t'assure. Ah ouais, c'est italien, ouais.
Absolument dégueulasse. Alors attends, mais c'est quoi? Ils mettent les pompiers italiens, la police française et les hôpitaux allemands. Non, non, Ouais, je trouve ça un peu trop. Mais franchement, encore, je trouve que les bâtiments, ça va. Hein. Les bâtiments, enfin, comme ils sont là, en tout cas, pour le moment. Ouais, mais après, ils grossiront pas plus, hein. Je trouve que ça va. Ah ouais, ils grossissent pas plus. Non, ils grossissent pas plus. Ils rajoutent des drapeaux aux façades, mais c'est tout. C'est déjà bien. À la fin, tu verras, il y aura que des drapeaux partout. Bon, j'ai mis un petit parc là. Ça fait triste, hein. Ah ouais, d'accord. Ça fait tristoun. Ok. Bon, je retiens. On va mettre un petit réseau de bus là. Non, peut-être pas tout de suite en fait. Je suis con moi. Ah, mais je suis débile aujourd'hui. J'ai décidé d'être con. Voilà. C'est pas bien de se cracher dessus. Bah écoute, au moins je suis modeste. Alors du coup, je regarde ce que vous dites un peu parce que vous parlez beaucoup. Salut, qu'est-ce que tu fais? Me dit Alexis 177. Et bah déjà, je lui dis bonjour. Un Et puis live. là, je suis en train de faire un live actuellement sur City Skyline, tout simplement, où j'entame une nouvelle région parce que la mienne a malheureusement été détruite dans les entrailles de mon ordinateur. Donc, pour le moment, je vous cache pas que c'est assez moche. Mais vous inquiétez pas, par la suite et tout, on va bien tout remplir, on va faire des petits trucs sympathiques, vous allez voir, ça va être bien, ça va être bien. Et là, je me dis d'ailleurs qu'on pourrait. Ouais, non, 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 c'est bon, j'ai rien dit. Et il va falloir. Ah, ouais, les collèges et tout, école primaire, école élémentaire, on dirait une école en France pendant la guerre 39-45, je te jure. Ouais, mais c'est des trucs allemands, hein, tu verras, devant, c'est marqué en allemand, machin. Attends, je Je sais vais plus regarder comment ça. elle s'appelle, genre c'est L'école primaire, c'est Karl Heisenberg Schule. Ah oui, Carla Heisenberg Schule. Va mettre un petit collège alcool. Oh putain, il est super gros le Oui, il collège. est énorme, ils sont énormes les collèges. Mais c'est pas possible, mais je vais devoir en mettre. En plus, on doit en mettre tellement. Dis-moi combien tu peux mettre de place, enfin combien t'as de place dedans? 1000. 1000? Je peux en mettre combien? Par contre, ça va, ça encore. Le collège, je le trouve assez réaliste. Ouais, il est réaliste. Mais c'est vrai que quand tu dois en mettre 20 comme ça dans ta. Bah ouais, moi aussi je peux en mettre 1000. Alors qu'il est 10 fois plus petit. Alors, attends. Vous avez dit trop de choses là. En plus, elle a tellement un autre sens cette chanson. Oui, c'est bien, Tango. Est-ce que tu peux. Est-ce que le fait d'assumer ta modestie ne serait pas une leçon détournée d'assumer le contraire? Ouais, tu devrais faire de la philo. Ouais, voilà, c'est ça. Qui c'est qui dit ça? C'est Duke Kane. Ah ouais. Ces mots et tes bâtiments sont différents. Oui, exact, ils sont différents parce que depuis Bien la joué. dernière mise à jour, il y a eu. Oh putain, il n'y a pas de poubelle. J'avais oublié ça. On met des incinérateurs. Voilà, on va en mettre 4, comme ça on est tranquille. Mais je crois que je perds encore des sous. Bon, en fait, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça. On s'en bat les couilles. En fait, on s'en bat les couilles, le banquier, on l'emmerde. C'est ça. Oh là là. Du coup, on va pouvoir se mettre un réseau de bus direct. Un réseau de bus qu'on va faire démarrer dans la zone industrielle. On va faire démarrer ici. Mais du coup, j'y pense, là, il va falloir que cette route-là. J'ai trop de fenêtres qui s'ouvrent là sur mon jeu, c'est chiant. Faut que je me débrouille pour que cette route-là. J'ai même pas testé, ça se trouve, ça a pas du tout, mais alors pas du tout marché. Mais on va voir. Ça se trouve, les bus, ils s'en battent les couilles, ils roulent quand même sur les Voilà, routes. il roule quand même sur les routes. On va tester. Mais c'est vrai que ça peut faire beaucoup plus réaliste ce genre de choses. C'est ce qui nous manquerait à Annecy, tu vois, entre Annecy et Saint-Jean-Lieu. Ouais, mais à un moment, ils voulaient faire des bus qui rouleraient sur la piste cyclable. Non mais ils ont fumé En été, ça devrait être. Non. hein. T'imagines? Tous les petits touristes Aujourd'hui qui viennent s'écraser sur le pare-brise Non du mais c'est bus. ça. Oh putain, ouais, Surtout cette avec merde que ce serait. la qualité de conduite des conducteurs de bus à Annecy, ce serait magnifique.
On va voir, ça se trouve, ils n'empruntent pas du tout les routes. Hein. Non, ils n'empruntent pas la route. Hein. Bon, ça aurait eu le mérite d'être. Ah si, mais attendez, on peut leur faire faire des arrêts en plein milieu. Oh, mais ça, c'est bien par contre. Si, c'est bien. On peut leur faire faire des arrêts en fait au milieu de. Enfin, sur les sur ces routes-là. Plus pratique. Par contre. Oh merde! Quoi? Ah, ça, c'était sûr. Regarde le live. Ah, c'est le tunnel, le pont, il est inondé? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était tellement sûr aussi. Oh putain. Maintenant, deux solutions. Ou on casse le pont, on le refait. Ou on prend des bus-bateaux. Ouais, bus-bateaux, je sais pas si c'est la meilleure solution, honnêtement. Alexis, tu l'avais dit, c'est quoi, quel mode là tu disais? Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est quel mode finalement? C'est pas un mode les bâtiments. C'est pour les bâtiments? Oui, ouais. C'est une mise à jour. C'est une mise à jour automatique des développeurs. C'est aussi simple que cela. Alors attendez, du coup je retourne à ma ligne de bus. La route sous-marine. Oui. Non mais en fait c'est cool plutôt ces routes spéciales pour les bus parce que du coup ça va pouvoir permettre de faire des quartiers résidentiels mais tu sais uniquement Ah mais non puisqu'on peut même pas construire à côté sur les bords. Mais ce que tu peux faire c'est que tu fais des quartiers et entre tu laisses un petit espace entre les extrémités des zones constructibles dans tes carrés et tu fais passer les routes de bus à cet endroit. Je sais, j'ai pas été clair, mais... Ouais, t'as pas été très clair, non. Je suis désolé. Ouais. Je suis sincèrement désolé. Alors, hello, Antonin. Comment vas-tu? Alors, attendez. Oh, le pont ne traverse pas. Ouais, difficile de rouler. Effectivement, vous avez tous raison. Alors du coup là par contre il manque de l'eau apparemment. Ouais bah écoutez là ça a l'air d'aller. Est-ce que... Oh ouais mais ils s'en battent, les bus s'en battent totalement les couilles en fait. Il faut peut-être bien leur mettre des arrêts aux endroits spéciaux. Ouais c'est ce que j'ai fait mais... Enfin c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais beaucoup en fait, ils font l'occasion de ouais, les bus font demi-tour maintenant. Attendez les bus font demi-tour. Ah non, les véhicules font demi-tour quand ils voient des camions de pompiers en train d'arroser un feu. Ok. Ils ont peur. Ouais. Ah. Alors là, attends. J'aimerais bien voir un s'arrêter là. Voir si... Ah si, ils empruntent les bus lane quand même. Bien. Si, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment, c'est vraiment positif ça. Par contre, les autres véhicules sont toujours pas engagés à prendre deux voies quand il y en a deux quoi. Je suis abonné à cette voie. Donc je reste ici. Vous me cassez tous les couilles. Pourquoi ils font un énorme détour comme ça? C'est quoi la raison? Peut-être un bon resto? Ouais, je sais pas. Il dure jusqu'à quelle heure le live? Bah là, tu vois, comme je suis content que je ne perds aucune image, je sais pas, jusqu'au bout de la nuit. Théotime ira peut-être se coucher un moment. Au fond de la nuit. Théotime, calme-toi. Streamer de minuit. J'ai dit Théotime, calme-toi. Ça fait longtemps que t'as pas fait de stream, toi. Non, ça fait très longtemps. Ouais, très très longtemps. Ça fait plaisir. Ça te fait plaisir? Ouais. Putain, y'a déjà des embouteillages, quoi. Oh, le truc chiant. Fidèle à leur poste. Ouais, toujours. Le jour où y'a pas de bouchon, tu te demandes ce que c'est le problème. C'est que t'as mis une route en contresens. C'est calme. Alors, c'est la meilleure blague, c'est l'histoire des deux jumeaux, Robert et Richard. Robert a des brebis. La femme de Richard est morte la même journée que la barque de Robert coula. Quelques jours plus tard, une vieille dame voit Robert et le méprend pour son frère Richard et la conversation s'engage.
Ah, mais c'est chiant les blagues, ça part en deux là. Attends, bus. MDR, MDR, ah, il y a une route pour que pour nous, lol, si on allait ailleurs. Il doit y avoir deux ou trois putes sur la route, ouais, c'est ça. Où est-ce qu'ils ont dit ça, les gens? C'est Juquet, bah c'est parce que tu sais, j'ai dit que. Ah ouais. J'ai dit qu'il faisait un détour, mais. Du coup, on se demande tous pourquoi. je vois. Hop, on va faire une petite En sortie parlant là, de comme bus ça. fou, le bus qui devait me ramener à Saint-Jean-Lieu, il a fait du freestyle en revenant. Ah ouais? Ouais, il est passé par toutes les routes, sauf la bonne. Sérieux? Ouais, il a fait un petit tour, on a eu un petit tour dans Annecy gratos parce que le type il savait pas où aller. C'est cool ça. Ouais. Il t'avait visité un peu et tout. Ouais, le problème c'est que moi j'avais pas envie de visiter. Ouais, je comprends. J'ai un live à faire, ok? Alors tu me ramènes. À ce moment-là, je savais pas trop, mais bon, j'étais quand même crevé, j'avais envie de rentrer. Puis en plus, il y avait un connard là qui arrêtait pas de râler à l'arrière. Pourquoi? Mais parce qu'on était en retard. C'est le genre de type, c'est modèle gros con. Ouais. D'accord. Bonbon. Visiblement, on a besoin de commerce. J'aimerais bien mettre des armes, mais j'ai plus mon mode pour. Puis j'ai changé les. Ouais, j'ai changé les trucs aussi. Ouais, toi, toi, toi. Ah, d'accord, ok. J'ai cliqué sans faire exprès sur caméra go on mode. On s'en fout. Et là, du coup, on va faire pareil, là, les trafics. Traffic manager, là. On va faire pareil. Non. Non, non, on va pas faire pareil. Non, parce que là c'est des routes en travers, donc c'est bon. L'impression que la vitesse 3 est 3 fois plus rapide que d'habitude. Enfin, c'est Donc, logique. c'est plus rapide que d'habitude, toi. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je suis désolé. Oh, mais c'est bon. Moi, ma meilleure ville a 60 000 habitants. Ma meilleure ville est à 60 000 habitants et j'ai 1,5 million. J'ai 27 000 emplois disponibles dans la demande. De population augmente et pas. Alors attends. Mais la demande de population n'augmente pas et personne ne s'installe dans la ville. Des conseils. Bah, en fait, c'est un peu compliqué de te donner des conseils comme ça. Faudrait que je Ça veut vois. dire que t'as une ville pourrie. Non, en fait, j'en sais rien. C'est juste que j'ai envie de troller. Ouais, t'es au team. Ouais. Je comprends pas pourquoi il faut un énorme détour. Attends, j'aimerais bien trouver ça, par contre. Alors attends, parce que là, ils passent par là. Mais pourquoi ils reviennent là? Ils reviennent là, ils font tout ça. Ils reviennent ici. Et ils repassent par là. Pourquoi est-ce qu'il ne tourne pas tout de suite à droite en fait? C'est ma question. Que t'as pas fait des priorités un peu Si, bizarres. c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. Non, c'est pas des priorités, non. Non, en fait, c'était pas ça, je crois. C'est Dommage qu'on ça. puisse pas interroger les chauffeurs. Pourquoi tu tournes pas à gauche, connard? Parce que je sais pas. Si, c'est bon, j'ai trouvé d'où ça venait. C'est bon. C'est quoi? C'est réglé. C'est juste que j'avais foutu un arrêt proximité de l'autoroute qui faisait qu'il prenait des gens. Enfin, il était obligé de passer par l'autoroute. Bon. Ah oui. Mais allez. Alors, quel est l'animal qui. Donc, oui, Alexis, je peux pas trop te répondre. En fait, il faudrait que je puisse voir ta ville dans la totalité parce que je sais pas trop les facteurs qu'il y a à côté et tout. Donc. C'est assez compliqué de répondre comme ça, quoi. Je pense que Théo Team sera du même avis. Putain, pourquoi il y a des embouteillages? Ah ouais, d'accord. Alors là, regardez, c'est des exemples typiques. Alors là, par contre, on va faire une priorité. Alors, switch traffic light. Non, switch, j'ai dit. Bon, ok, tant pis, il a pas envie.
Ah mais on peut pas là en fait, je suis obligé de faire ça. Je peux même pas ajouter de signe de priorité je crois. Je crois qu'il va pas vouloir. Non il veut pas. Il veut pas le bâtard, il veut pas. Wow, 16 viewers. Qu'est-ce qu'il me prend là d'un coup? C'est si chiant que ça les samedis après-midi. Ouais, tout le monde se fait chier, mais c'est pas possible. Moi j'aurais plein de trucs à faire, mais j'ai pas envie. Comme réviser le bac. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Mais non. LOL. Ouais. C'était une blague. Ah, peut-être quand même que je m'y mette un de ces jours. Aïe aïe aïe. Ah, je surkiffe assez ce système de bus. C'est assez classe. Alors là, regardez, par exemple, on va pouvoir faire hop. Allez, switch traffic light. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Attendez, j'ai l'impression que mon OBS fait des siennes. Ça me saoule. Voilà. Me saoule pas. On est 17, c'est génial, ça serait bien qu'ils partent tous. Là, je suis entièrement d'accord. Hein. Une ville pourrie à 1,5 million, disait. Ah, d'accord. Ah, tiens, c'est redescendu, je me disais bien. Oui, bah écoute, on peut pas tout avoir. Pourquoi il ne veut pas ça? Te mets pas à chanter, Théotime. S'il te plaît. Pas maintenant. On était bien partis. Oh non, faut que je refasse, faut que je fasse tous les toutes les intersections là, j'en ai créé 45. Ah. Switch traffic light, bordel. Ok. Alors voilà, on a une deuxième ligne de bus. Ce qui me fait chier, c'est qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures, mais j'ai l'impression que c'est des voitures qui viennent plutôt de l'extérieur en fait. Du coup, on s'en fout. Du coup, on s'en fout, ouais. Touriste. Je sais pas. Mais ça m'étonnerait parce que j'ai quand même pas grand chose. Alors par contre, bon, y a rien. Niveau collège, niveau scolarité, il y a mieux. Et niveau école primaire, il y a aussi mieux. Donc école primaire, on va mettre une dans le coin là. De type ici. Et on va remettre une dans le bout là-bas. Moi je trouve que ça va franchement les bâtiments. Enfin. Je te parle pas des petits bâtiments, tu vois, un peu particuliers, mais les vrais les bâtiments les, d'habitation et tout. Après c'est vrai qu'il y a 2-3 mais il y en a 2-3 t'aimerais bien les enlever mais c'était un petit test, voilà. Le bac, quelle est cette chose étrange? Ah ouais, ce qui me fait finir les cours plus tôt. Ouais, c'est vrai, c'est ça. On dit pas ce genre de choses. Est-ce que je peux t'envoyer ma ville pour que tu la regardes? Ouais, bien sûr, Alexis. Après, j'espère que t'as pas trop d'addons et tout que je n'ai pas, sinon ça risque de faire planter mon jeu, mais ouais. Il y a Antonin qui te demande, Théotime, de ne pas chanter. Oh. T'as compris le message subliminal? Oh, tu le prends pas trop mal? Si, je le prends extrêmement mal. Il est touché au plus profond de lui, là, vous voyez pas? Ouais. Ah, je te jure, la vitesse 3, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup plus vite que d'habitude.
Ils ont peut-être réaccéléré le truc et tout. Alors attendez, on va me faire un truc. On va essayer de faire un truc. Hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà. Et vous me revoyez. C'est super, c'est beau, c'est magnifique. Bon, j'ai une coiffure de merde, vous m'excuserez. Hein. Vous avez l'habitude. Ah, c'est toujours bien les discussions entre frères. Pourquoi ? Parce que il m'avait envoyé un message, mais je savais pas que c'était lui parce que j'avais pas son numéro de téléphone. Du coup, il m'a répondu que c'était lui, je cite Ducon. Du coup, j'ai répondu, je savais pas que c'était toi, connard. Ok. Toujours, ça respire la bonne humeur, la joie. Et... Il y a un seul truc que tu te dis pas entre frères, c'est fils de pute. C'est drôle. Non, faut éviter. Car t'insultes pas que lui, en fait. On s'en sait, tu insultes pas que lui. C'est la seule insulte qui voilà, que tu veux pas dire. Par contre, là, c'est un peu chiant. J'ai ma souris en jeu qui est un peu buggée. Alors, sur le jeu, je me demande si ça sert à quelque chose de mettre des stops au lieu de mettre des priorités. Je pense sur les tout petites routes, quoi. Mais est-ce que ça change quelque chose? Ah ouais, je sais pas ça. Entre céder le passage, ouais, et stop. Ouais. Ça doit pas changer grand-chose, non. Ah, attendez, je vais faire un truc là parce que mon jeu fait n'importe quoi. La méga priorité au bus. On va aller là. Ah, mais il s'est mis en plein écran tout seul, le bon garçon. Là, ça fait déjà deux sorties supplémentaires. On a toujours qu'une entrée, par contre, mais ça devrait déjà alléger un peu le trafic. On pourrait presque faire une sortie. Ouais, non, c'est bon, ça va aller pour le moment. Alors, regarde, on va faire un truc. On va essayer de faire un truc un peu stylé quand même. Il va y avoir une route qui suit toute la côte là. Je regarde parce qu'il y a bien sûr tout ce qui fait chier autour là. Voilà. Voilà. Je sais pas jusqu'où on va aller comme ça, mais voilà. Là déjà au moins c'est pas mal. Faire une route comme ça. On va la continuer celle-là. Hello Rafale, hello. Ah oui, n'oublie pas que Joker lui a toujours son pouvoir de modérateur. Hein. Vas-y, t'es au team champ, là il finira plus vite. Ce bâtard. Oh. C'est pas sympa. C'est vraiment pas cool ça. Ah, j'aime. Pourquoi il me dit des espaces et jogging? Ah oui, parce qu'il y a ça. Quelqu'un sait comment envoyer une ville? Ouais, tu peux la partager sur Steam et moi je peux me débrouiller pour la retrouver après, je pense. Je pense que je vais refaire une grave, il n'y a pas à vouloir. Voilà, et là, hop. Je vous avoue qu'il y a pas mal de routes pour le moment, mais c'est parce que je suis en train un petit peu de tracer, voilà, les prémices de la ville. C'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que ces bâtiments, tu vois, ils seraient jolis, mais pas... Là, faudrait qu'ils soient vraiment tout collés, quoi. Ouais. C'est dommage.
pourraient être jolies. Enfin, ça pourrait donner bien. En fait, ils sont jolis, mais dans l'ensemble. Ça se ouais, c'est l'ensemble qui fait moche. Ouais, ça, ça se fond pas trop trop, quoi. Ça a pas l'air très naturel. Ouais. Bon, moi, je trouve que ça fait ville d'usine. Ouais. Ouais, ça pourrait, ouais. Après, je vais essayer de faire de la faible densité plus là, sur le bord, là. Un petit peu ce que ça donne. On va essayer ça, tiens. La ouais, faible densité, j'ai pas essayé. Ça fait des maisons normales. Et on va faire, on va zoner jusque là. Et on va voir ce que ça donne. Faible densité. Désolé, Théotime, pour la peine, je te bannirai pas tout de suite. Il y a des gens méchants. Sauf que Théotime a plus de pouvoir que toi, il est sur le live, tu vois. Et ouais. Tu pourras me ban du chat, mais tu pourras pas me faire taire sur le PS, sur le live. Toi aussi, on a entendu ton portable. Ouais, c'est un peu mon frère qui m'insultait. Ah. Ouais. Ça va, alors. Toujours. Tout va bien. Et là, on va faire des bureaux. Non, 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 pas ça. Commerce. Ok, commerce. Et recommerce. Et recommerce. Non, pas là. Là. C'est un peu pourri. Et là. Voilà. On va faire toute cette zone-là en bureau. Pourquoi tu prends des routes arrondies pour faire des routes droites? Parce que elles sont pas tout à fait droites, du coup, et je trouve que c'est un aspect beaucoup plus naturel. Parce qu'on n'est pas des Américains. Exact. Ouais. Enfin, je dis ça, mais je regarde ma ville, voilà. Enfin, c'est vrai que c'est des routes un peu plus courbes, quoi, du coup, on dirait que c'est un peu moins comme ça, quoi. C'est vrai que si on suit la logique... Il n'empêche que je peux tout de même te faire disparaître du chat, te dit Juké. Arrête ou je renvoie du Patrick Sébastien. Et il le fait passer en live. Lui, il a le pouvoir de ça, tu vois. Je le fais passer en live et je fais passer... Et il chante. La pipe. et il chante avec. Et le plus horrible, je trouve, dans dans ce truc, c'est que tout le monde, au moment où c'est passé au Grand Cabaret, tout le monde chante, quoi. Ouais. Les gens, ils s'en battent les couilles. Moi, je crois qu'ils s'en battent. Je crois qu'ils étaient un peu gênés, mais ils osaient pas vraiment le dire. Ouais. Mais ils chantent, tu vois. C'est terrible. Au pire, tu chantes pas, tu vois. Mais. Je sais pas, mais pourquoi ils en font un scandale? Mais c'est bon, il a fait. Ok, c'est. Ok, c'est tendancieux. C'est pas tendancieux, c'est totalement explicite. Ok, c'est explicite, mais t'as qu'à regarder des trucs de Sébastien Patoche. Oui, d'accord. Mais lui, c'est plus assumé, quoi. Patrick Sébastien, tu t'y attends pas du tout. Ah bon? C'est pas Sébastien. Comme dirait Patrick Sébastien, si tu pouvais fermer ta gueule. Voilà, tu vois. C'est pas de lui qui avait fait la cartouche aussi? Je sais pas du tout. Je suis pas trop fan. C'est pas mal aussi. Les mecs qui ont un avis sur tout. Bon, les bus sont plein à craquer déjà, ça fait plaisir. Il y a personne, c'est normal. Un peu plus de monde là. Mais en fait j'hésite à faire une ligne de bus qui va dans l'autre sens, mais en fait je suis con parce que c'est pas du tout le cas. Donc ça fait donc ça.
Ça ferait fuir les gens, c'est pas moi que ça gêne. Ouais, ouais. Le faux, alors tu vois, là, Duke Nukem, il joue un peu au faux modérateur, tu vois, le mec qui est là, mais qui sont obligés d'être là. En fait, c'est un modérateur, mais qui fout plus le bordel que les autres. C'est ça. Donc, merci de ton utilité. Franchement, j'adore ta voix de bus là qui repasse par en dessous. Ouais, en dessous, ouais, ouais. Chassé. Par contre, voilà, t'as des arrêts qui sont un petit peu inutiles. Là, oui, mais c'est pour le moment. Ce sera après, ce sera. C'est pour prévenir les enfin. Ouais, prévenir la prochaine. Enfin, les prochains quartiers. Ouais. Donc ça, du coup, ce sera peut-être la partie qu'on fera en live. Et faudra que je recommence une, je pense, une sorte de saison 2 sur. Sur YouTube. Mais faudra que je me débrouille. Déjà, je vais attendre de voir que mon logiciel aille mieux et. Plutôt d'avoir un logiciel potable, c'est plutôt ça que j'aurais dit. Et là, on va refaire une sortie d'ailleurs. Pour éviter de trouver, parce que là, il y a du monde, il y a vraiment du monde. On va refaire une deuxième sortie ici. Oui, c'est pas tendancieux, messieurs, c'est pas tendancieux, je suis désolé. C'est au-delà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au-delà d'être tendancieux, c'est pas possible. C'est rigolo. Ouais. Je dirais pas ça comme ça, mais. Ouais, dis-le, je crois. Hop. Voilà. Pourquoi il y a une aussi longue queue là? Ah, je sais pourquoi, je crois. What? Pourquoi les gens attendent autant ici? Il y a jamais de voiture et ils passent pas quand même. Regardez, il n'y avait pas de voiture et ils passent pas. Ah, c'est parce qu'il y a les piétons. C'est les piétons qui cassent les couilles là, non? Attendez. Allez, salaud. Parce que ça, je crois que. Alors, maintenant, j'ai aussi le pouvoir de faire des passages piétons. What le monde qu'il y a? C'est du viol! De quoi? Matt le live! Il y aura jamais assez de bus. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, le bus il est passé, ça change rien. Oui, c'est mon papa là. Vous m'avez vu faire des signes, mais c'est mon papa. C'est normal. C'est vrai que c'est là. Il y a du monde. Il y a un peu de monde, ouais. Y a vraiment beaucoup de monde en fait. Et je me dis que du coup je vais augmenter le budget des bus. 150. Il y a un bus toutes les 2 secondes. C'est pas possible. Il y a un bus non-stop. Presque. Ok les gars, videz-moi ce temps. Au moment où je dis ça, il n'y a plus rien, mais. Bah, les jeux ils aiment bien contredire les gens. Là, s'il y a un bus. Et regardez comme ça passe vite, regardez un autre bus. Mais je pense que ça doit pas mal aider le trafic des bus quand même, cette histoire de. De bus lane là. C'est le gang bus magique. Écoute, si tu veux. si c'est un peu quelque chose que tu as envie de voir et de concrétiser dans un jeu vidéo, tu fais ce que tu veux.
Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être... Parce qu'en fait, le quartier est déjà presque fini, mais... Enfin, si, on pourrait continuer de l'améliorer ici, dans le coin. Déjà faire une petite route, là, comme ça. Dites-moi si vous préférez avec la cam ou sans, si vous voulez pas voir ma gueule. Vous faites comme vous voulez. On veut pas voir. Merci Théotime, ouais, tu me soutiens, ça fait plaisir. Ouais. Je m'attendais à ce que tu me soutiennes, tu dis non mais t'inquiète. Non, bah, c'est pour t'es pas trop mal coiffé. De toute façon, je te vois pas, je sais pas, moi je suis sur le jeu aussi. Bah ouais, mais si, tu vois bien de temps en temps quand même. Hop, Ah, il y a Tango qui a mis une vidéo. Je crois que si vous voulez entendre chanter Théotime, c'est ici à 2:32. Ah, je crois que tu peux aller voir Théotime, ça te concerne. Ah, ça doit être sur Planet Side, non? C'est pas celle-là là. Je sais pas. Ah, ouais, c'est celle de Planet Side. Ah ouais. C'était quoi déjà la chanson? N'était pas le radeau. Ah oui, c'est vrai. De la méduse, ce bateau. Ça va tout aussi. Au fond du pont. Navigate en paix. Il ne fallait pas dire ça, regarde, il s'enflamme. Sur la grotte des canards. Merci Tango. S'il s'appelait les copains les copains d'abord. Ouais. Bon, c'est cool de voir quelqu'un d'aussi mal coiffé que moi. Voilà. En live à deux, c'est quand même plus sympa qu'elle est tout seul. Je préfère. Dis-toi, qu'est-ce que tu fais à la caméra, toi? Quoi? Je vais sur le live et au moment où j'arrive, je te vois faire un fuck à tout le monde sur le live. Mais c'est parce que... Mais non, c'est l'autre qui me dit que je suis mal coiffé. Bah quoi? Je suis mal coiffé, du coup je lui ai pas dit je t'emmerde, je lui ai fait un fuck à la caméra. Heureusement qu'il n'y a pas de cam chez moi. Pourquoi tu dis ça? Non plus, ça va faire 3 mois que je suis pas chez le coiffeur. Ah! Non, moi ça fait un mois et demi, mais je peux pas me permettre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Ta 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 ta. On va faire... Merde. Bah, du coup, on va faire des bureaux. Mais c'est pas possible, ça me suit sur mon OBS toutes les deux secondes. Vivement que je m'achète un deuxième écran, hein, vraiment. Là, ça peut être pas... Je m'étonne que ça peut être pratique. Voilà, genre tu vois, je serais pas obligé de regarder le chat sur mes... Hold ouais. d'honneur au calme. J'ai oublié de préciser que le streamer est en droit de vous pisser dessus, après tout c'est le patron. J'aime beaucoup. J'ai dit qu'il y a Jukain qui a rappelé les règles de bienséance dans le chat tout à l'heure pour les viewers. Et là il dit, j'ai oublié de préciser que le streamer a absolument le droit de vous pisser dessus. C'est le seul permis à faire ça. C'est le patron. Ouais, je suis le patron. Ouais, je suis le patron. Moi, ça fait au moins 4-3 mois que le coiffeur m'a pas vu. Ok. Bon, écoute, on va pas faire un concours. Hein. Bienvenue dans l'équipe. Ouais, il faut vraiment que j'y aille là. Ça devient critique. Je me sens vraiment rien. Bon, les industries, vous venez, bordel. Théotime s'énerve, attention. Je vais mettre un Peggy 18. Attends avant d'insulter, je vais mettre un Peggy 18 avant. Ils vont pire. Parce que Théotime, c'est le mec que vous connaissez qui peut être très très calme, qui est même d'ailleurs en général plutôt calme. Mais
Quand il insulte, quand il est énervé, c'est fini. C'est fini. Putain, mon barrage produit du tonnerre, quoi. En même temps, il peut, là où il est placé. C'est cool. Ça pousse la production des barrages. Hello, Dr. Lecky Dreams. Ça fait longtemps, effectivement, ça fait longtemps. Mais voilà, je suis là et toi aussi, donc ça me fait plaisir. On va faire une petite zone commerciale. Cette densité. Enfin, une petite, une grosse. Le mec, il zone toute la... il met tout le truc, il fait oh, petite. Hein. Petite. Jusque là. Et là on va mettre des habitations. Voilà, on n'est pas trop mal. Je pense que pour ce quartier là on a pas mal bossé. Des quartiers que je vais d'ailleurs créer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que c'est le moment de les poser. Vous n'avez pas meilleure opportunité que pendant les lives. Je peux y répondre, étoffer un petit peu le truc. Bon, si jamais j'oublie là, votre question, il faut me le rappeler. Parce que je suis souvent un peu distrait. Mais, n'hésitez vraiment pas. Donc ça, ce sera notre quartier châtaignier. Si vous voulez que je mette votre nom, vous me le dites en commentaire. Ce sera le premier qui me dira qui aura le droit. Où ça va au clavier. Et là, hop. Connerie pour le moment. N'hésitez pas à me le dire. Lol, j'ai déjà inondé une ville avec un barrage. Ouais, moi aussi. C'est pas un bon souvenir. Toi, c'était pas voulu. C'était pas du tout voulu. Moi, c'était voulu. Oui, je sais, je suis un petit peu. Psychopathe, quoi. Sur les bords. Ouais. Pourquoi ça ne marche pas là y a un... Ah, c'est parce que là, il y a encore des feux. Donc les feux là, vous allez voir, on va les enlever, ça va aller beaucoup mieux. Et là, on va remettre, on va voir notre petit onglet Traffic Manager, Switch Traffic Light, Add Priority Signs. Hop, ici. Et là, on va faire exactement la même chose. C'est quand même bien, bien pratique. Ah putain, ça me switch sur OBS. 45, on va toujours pas venir. Est-ce que ça bloque un autre endroit là? Je crois que ça va. Ok, les pompiers gèrent. Ça, tout va bien, tout va bien. Les pompiers gèrent jusque là, mais là ça commence à être un peu just. On va laisser pour le moment. On couvre une belle zone quand même les pompiers. Ah, ça couvre pas grand chose hein, quand même. Ouais, mais si ça va, ça va. Pour le moment ça va, on n'a pas eu de bâtiment incendié. Niveau flic, ça va également. Et niveau mort, je pense que ça. D'où niveau mort? Ah, mais oui, mais on a encore eu que dalle de décès. Donc, du coup, on avait encore rien. Mais je pense qu'on va mettre un petit cimetière. Qu'est-ce que tu dis? Encore des Jones. Ouais. Mais là, il commence à avoir les premiers papis qui meurent. Les premiers papis libres. Voilà. On va mettre un petit cimetière là, on a la place, ça connaît notre collège Maous là. C'est vraiment énorme, hein. On voit que ça. Et là on va faire une ligne de bus parce que vous pouvez le constater par vous-même, il y a vraiment vraiment du monde. Du coup, on va s'y atteler là. J'ai envie que ma ville devienne. Par contre, l'université est très jolie pour les bâtiments. Ah ouais, on va aller regarder ça tout de suite, vous inquiétez pas. Théo Team nous tease un petit coup. Tease. L'université, bah, c'est joli. Super teaser, merci. De rien. bizarre la nuit en voiture. Ouais, mais font... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit, c'est des passages, pas stop. Ils ont peur. Je suis en train de faire un truc un peu compliqué, mais c'est pas grave. Si c'est grave en fait.
en fait ça fout le bordel si on Attendez, parce que là si je fais ça il passe où? Ah il faut un truc horrible. Quoique si je peux essayer. Je peux essayer, est-ce qu'il y a un arrêt entre les deux? Non, mais on peut en mettre un. On peut peut-être en mettre... Ouais non, ça servirait à rien, ce serait trop près. Donc on va continuer comme ça et on va terminer la ligne là. Donc ça c'est un peu une ligne qui fait vraiment le tour de toutes les lignes là, déjà intérieures de ce quartier. Alors du coup j'ai pas du tout lu ce que vous avez mis. Hello Hakim. Ok, vous avez fait des blagues. Ok, vous avez fait des blagues de merde. Et je suis bien Antoine City Skyline est en multijoueur. Non, pas du tout. Et je t'assure que le jour où il est en multijoueur avec Totim, on s'est lancé un défi. Hein. On fait une méga ville. On fait une de ces villes. J'aimerais savoir quel est le mode pour décider les priorités sur les routes, s'il vous plaît. Eh ben, tu l'as juste là. T'as le nom juste là, c'est Traffic Manager. Ah, mais je comprends. Le mec, il y a personne qui meurt chez lui, mais il met un cimetière. Je serais un habitant, je verrais un mauvais présage. Comment on met une ville sur le workshop pour que tu m'aides avec le problème? Tu vas sur tes sauvegardes, normalement. Tu cliques sur une de tes sauvegardes et tu devrais pouvoir partager sur le workshop, normalement. Alert spoiler, l'université est un bâtiment. Merci, Juken. 2 militaires à l'entraînement, pourquoi tu te... Bon, ça, c'est une blague de Tango. Et Aki, il dit d'accord, merci, chef. Voilà. Ok, bon, super. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Je fais mon taf. Duquesne, il y a toujours des informations très pertinentes. Ah, toujours, toujours. Je comprends en fait pourquoi les industriels ne voulaient pas se construire. Parce qu'elles étaient dans une zone qui n'était pas desservie. En fait, la sortie d'autoroute n'était qu'une sortie d'autoroute. Ah d'accord. Et j'ai téléchargé une gare aussi, c'est Rural Station. Bon, genre si on veut faire un petit, si je veux faire un petit truc, je vais d'ailleurs tester, je vais juste voir à quoi ça ressemble. Elle est sympathique. Tu l'as toi? Je l'avais. Attends, juste regarder à quoi ça ressemble. Parce que c'est pas forcément Rural Station. En plus, moi je peux l'utiliser. Là, non, c'est une station. Ouais, je vais l'utiliser là pour mon centre-ville. Faire une petite ligne de RER là. De toute façon, là c'est des commerces. Ouais, c'est pile comme il faut. Et là, il va me falloir. Je reviens, soyez sage. PS, merci d'être 20. 20 ? Vous êtes 20 ? Bah attendez, moi de toute façon, j'ai plus mon Firefox à planter. Mais 15 ? Moi je vois pas. J'ai zéro image perdue depuis une heure, c'est incroyable. Ok. Je crois que j'ai trouvé le bon fonctionnement. Ah, c'est Tango qui s'énerve. Non, il cherche juste la merde. Mais il va l'avoir, t'inquiète. Pourquoi il veut pas construire une gare ferroviaire? Bah si tu veux, je construis une gare ferroviaire. Là. Voilà, super. Alors, on va juste essayer de faire un truc. Mais je n'en paye pas pour m'incliner. Ah si, c'est bon. Pourquoi me dit-il ces choses-là? Espace déjà occupé. Par quoi? Non, je suis pas d'accord. Putain, what the fuck. Ok. On va s'en sortir. Moi, je vous le dis, on va s'en sortir. Super. Et voilà. Donc là, on a déjà une petite possibilité de transport entre nos deux gros quartiers. Je pense que cette gare risque d'accueillir un petit peu de monde. J'ai pas envie que ça accueille trop de monde non plus parce que... Ah mais quoi que si là, en fait, les réseaux de bus c'est pas trop occupé pour le moment. Donc ça va. On n'a pas grand chose à craindre. J'aurais presque pu mettre une gare normale en fait.
parce que là du coup vous voyez celle-là je vais pouvoir la détruire, on s'en fout. C'est les mêmes, de toute façon elles ont les mêmes capacités. Ouais, je sais bien. Mais je trouve qu'en plus avec les bâtiments comme ça, ça s'intègre mieux, tu vois, ça fait vraiment plus petite guerre TVR quoi. C'est qui exactement Juken? Juken c'est un viewer très fidèle. tu vois que même si ça fait 3 mois que je l'ai pas vu, et ben il est toujours là. C'est ça qui est fort, tu vois. C'est ça qui fait de lui un homme fort. What? Il y a du monde, j'ai l'impression. Il y a du monde à cette gare, j'ai l'impression un petit peu. Ouais, ça commence à arriver, ça fait plaisir. Cette vue est vraiment très pratique. Quelle vue? J'ai un mode qui fait que tu sais, tu peux pas zoomer de manière terrible, tu sais, au ras du sol. Enfin, ou alors faut vraiment avoir une caméra spécifique. Mais moi, j'ai installé un mode qui faisait que j'avais pas de limite, quoi. Je peux dézoomer au maximum, je peux dézoomer genre jusque là et. Enfin, je peux plus dézoomer et plus zoomer si tu veux. Ok, je vois. C'est beaucoup plus. Regardez le nombre de personnes, le trafic a largement augmenté. Et j'ai presque l'impression que ces bus lane favorisent vachement les bus. Au niveau de la fréquentation. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et c'est plutôt cool. On va regarder, est-ce qu'il n'y a pas une petite carte des transports là? On transporte 527 personnes par semaine. C'est honnête. C'est plutôt honnête. Tunnel. C'est un looping le mec. Voilà, ta ville est partagée, se nomme Antoine à la rescousse. Alors, on va faire peut-être. Je vais essayer de voir si je la retrouve. Je sais pas du tout comment ça marche, ça va me permettre de. Bon, déjà, on va sauvegarder un petit coup. Et on va attendre. Voilà, hop. Et on va revenir juste vers le menu principal. Je vais voir si j'arrive à. Hello, Tibud 8. Je vais voir si j'arrive à la prendre. Je pense que c'est là-dedans que je devrais pouvoir la voir. Workshop. Si tu veux bien l'ouvrir. Voilà. Et là, ça devrait être carte. Map. Et là, comment tu m'as dit qu'elle s'appelait? C'est Antoine à la rescousse. Ok. Ok, je vais rechercher. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas du tout ça que je voulais moi. Bon, reviens-moi sur le workshop là, je m'en fous de ça. Putain, le live me fait largement bugger quand même ce genre de truc. Ça c'est chiant. Ah si, j'ai eu 35 images perdues. Oh. J'ai des TGV. Ah ouais, c'est classe. C'est trop bien. Ils ressemblent vraiment, ils ont vraiment la gueule ou? Oui, par contre, c'est les TGV orange. Ah. Bah ça, tu peux choisir la couleur encore. C'est des TGV aussi, c'est des lignes normales, des lignes que je ne maîtrise pas. C'est. Ah, ouais. Ah non, par contre, ils ont oublié un truc. C'est quoi? Il y a pas la voiture de queue. Ah. C'est moche. Ah, c'est dommage. C'est pas beau, ça c'est nul, c'est rare. Alors, est-ce que. Workshop. Mais pourquoi ma souris bug sur le workshop? Mais expliquez-moi, s'il vous plaît. En fait, j'ai l'impression qu'elle prend pas du tout en compte ce que je lui demande. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Hop, je vais vous mettre cette scène là, et comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous voyez juste ma sale gueule. Hop. City Skyline. Est-ce que tu peux m'emmener au workshop, s'il te plaît? Parcourir le workshop. Et je pense que je devrais pouvoir la trouver dans les maps. Et je vais rechercher Antoine à la rescousse. Comme tu l'as écrit. J'espère qu'il n'y a pas de faute. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais regarder, j'espère que ça va pas faire planter mon jeu. Alors, il faut que je quitte le jeu, faut que je le redémarre. Je fais ça.
Et on va regarder tout ça. Parce que oui, moi je suis au service de ma communauté, vous voyez, c'est beau ça. Non, je m'enflamme un peu, je sais. Antoine, service à la communauté, j'écoute. Oui, vous avez un problème. Ah non, votre ville ne fonctionne pas. Pourquoi ça me l'a pas. Attendez, ah mais c'est parce que du coup, il ne l'a peut-être pas chargé encore. Steam. Ah oui, il est en train de me la télécharger. On va attendre 2 secondes parce que télécharger en live c'est un peu short. Oh, il y a des images perdues. Normal, je télécharge. Et voilà, c'est bon. Ça vient de terminer. Donc, on va pouvoir voir ça. Nouvelle sauvegarde. Ok, parfait. Je vais pouvoir vous remettre la scène appropriée. Ouais. C'est bon. Hello, Tibu, non, t'étais pas. Ah non, je suis con. Ok, bye Antonin, bye. Cet homme qui a les volets fermés, le pire. Bah, c'est pour vous que je les ai fermés en fait. Si vous voulez, je peux les ouvrir, mais. Bon, alors par contre, du coup, forcément, je vais pas jouer dessus. Donc... Alors, on va regarder un petit peu cette ville. Ok. Alors, c'est quoi ton problème, rappelle-moi ? Il n'a pas de proposition d'emploi, je crois, un truc comme ça ou pas de chose. Ah ouais, alors moi en plus j'ai un mode qui est bien pour ça. Chômage des. C'est que j'ai un mode qui me permet de voir les détails du chômage maintenant. Alors, t'as 74% de personnes qui ne sont. Ah non, j'ai rien dit. Alors, où sont tes industries ? Alors, en fait, t'as que des industries, mais alors, je t'explique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux quand t'as des gens très instruits. Quand t'as des gens très instruits, il te faut juste, comme fonctionnement, tu mets juste le peu d'industrie qu'il te faut, le minimum, et tu mets des bureaux à la place. Parce que regarde, je suis sûr que tes bureaux. Est-ce que t'as des bureaux dans le coin ? Je suis sûr que tes bureaux ont tous leur poste occupé. Voilà, 13 sur 13, 9 sur 9, voilà. Tes bureaux marchent très très bien. Tout simplement parce que t'as beaucoup de personnes très bien éduquées. Alors que tes industries marchent mal parce que t'as des personnes qui sont assez peu et qui sont très très bien éduquées aussi. Donc du coup, alors on va regarder un petit peu tes exportations. T'exportes beaucoup. De pétrole et beaucoup de produits forestiers. Bah ben voilà, ce que tu peux faire, c'est à la limite garder t'importes des marchandises aussi. T'as pas une industrie non plus très. Enfin, si, t'as une bonne industrie quand même. Donc là, c'est pétrolier. Ouais, t'as beaucoup d'industrie. Alors, soit tu fais en sorte Soit tu fais en sorte, ou sinon ouais, tu peux faire autre chose, c'est aussi faire des commerces, pas mal. Créer des commerces, c'est une bonne méthode aussi. Qu'est-ce que je peux te conseiller d'autre, moi bah, pas grand-chose. Faut vraiment que tu rééquilibres, quoi. Voilà. Je sais pas si ça a été utile, ce que je t'ai dit ou quoi. Mais voilà, c'est ce que je peux te conseiller de faire, en tout cas. Sinon, tout a l'air de pas trop mal se porter. Un réseau de route assez impressionnant, mais voilà. Bon, moi je voulais être si Tango vous dit des bêtises sur le prochain live, je le punirai. Ok, très bien, Jukane, bah bonne soirée. Et nous on va s'arrêter là, les amis, quand même, parce que ça fait 2 heures qu'on est en live. Ouais. T'es au team, il en a marre. Ouais. Tu peux le dire. Hein. Non, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de vous avoir. Vous avez été une petite vingtaine. Hein. Là, vous êtes encore 15. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour les demandes d'habitation qui augmentent, pas, je fais quoi ? Bah, tu t'en crées pas plus, tout simplement. Tu crées pas plus d'habitation puisque t'as trop de personnes qui ne sont pas employées. Pour le moment, tu crées pas d'habitation tant que t'as pas un chômage qui est descendu.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ton barrage, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Il produit autant que le mien. Non, le mien produit plus encore. Le mien produit plus. Bref. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, on va se dire à la prochaine. J'espère que ce live vous aura plu. Peut-être diffusion YouTube. Je sais pas si ça a foiré ou pas, le Twitch, on verra. Sinon, on verra. Salut Tango, à plus. Enfin, à tout de suite. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Tango est mon petit frère. Ouais, donc j'essaierai, de tant que mon logiciel ne marche pas, de montage ne marche plus, je vais faire en sorte, voilà, de vous faire des lives comme ça, peut-être, enfin, des lives sans doute plus courts, etc. Mais vous serez toujours prévenus. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, là, à me le dire sur Twitter, Facebook, et à même à me le dire dans le chat, ça me ferait plaisir. Et bah, Théotim, merci d'avoir été là, c'est cool d'être avec quelqu'un. C'est vraiment cool. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, Théotim, aussi. Ouais, c'était sympa. C'était sympa, c'était sympa. De quoi ? C'était sympa. Non, ça me fait rire parce que c'est toujours, on a toujours l'impression que tu t'en fous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Okay. Ok, je me calme. Je me calme, ne me frappe pas tout de suite. Bon bah voilà, c'est à peu près tout. C'est à moi de vous dire merci. Et puis voilà, maintenant que j'ai trouvé ma config de live, c'est bon, on n'a pas d'image perdue. Donc écoutez, c'est tout bénef, quoi. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Du coup, live, je vais juste vous montrer là pour les prochaines fois avant. Si vous fabriquez un petit truc là, vite fait. Du coup, hop, on va juste quitter le jeu, je vais me mettre en introduction. Ben, s'il est là. Hop, voilà. 2 FPS, c'est pas grave. C'est pas dramatique, voilà. Il est un peu chiant pour ça. Voilà. On va quitter. Tac, et je vais vous montrer un petit peu juste vite fait. Si vous voulez voir les jeux que j'ai. Hop. Vous allez aussi voir mon joli fond d'écran. tac, 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 tac. Ajouter capture d'écran. Ok, bon, il me casse les couilles. C'est pas grave. Hop, vous avez un truc assez horrible. Mais bon, c'est pas bien grave. Capture d'écran. Ordre. Ordre n'est passé vers le haut. Non, pas comme ça, c'est très laid. Hop. J'essaie de faire un truc propre quand même. Une image infinie. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Ouais. Il n'y a que ça qui t'intéresse, toi. Ouais. L'image infinie. Le reste, c'est pas les couilles. Alors, alors, comment je vais vous montrer ça, moi aussi, là? Ah, bah si, je sais ce que je vais faire. Alors, ordre, dépasser vers le bas. Voilà. Voilà, vous avez tous mes jeux sur la droite, là. Si vous voulez regarder, faites-vous. Merde. Par contre, si je fais ça, ça va pas le faire. Voilà. Si vous voulez regarder, voilà, faites-vous plaise. Je vais pas laisser ça longtemps. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, voilà, d'être avec vous, de vous retrouver en live. Ça me fait surtout plaisir d'avoir un live qui marche. J'étais un petit peu tendu au début. Mais au final, ça s'est pas trop mal passé. Donc, moi, ça me va. Ça me va. Voilà, donc j'ai tous ces jeux-là. Si vous souhaitez... du GTA, du City Skyline encore, ou même d'autres, je baille, c'est horrible, même d'autres que je peux faire en multi avec le team. Du Planet Side, ouais, pour essayer Planet Side aussi, voilà. Là, j'ai Napoléon Total War, bien sûr, j'ai Medieval Total War, Medieval 2, Payday 2, tous ces jeux-là, tous ces petits jeux-là qui sont sympas à jouer. Voilà.
Et d'ailleurs, vous avez un petit spoil, enfin les petits, ouais, même pas un spoil, parce que forcément dans tous ces jeux-là, il y aura la nouvelle série, voilà, parmi tous ces jeux-là. Qu'est-ce que t'as mis dans le lien? T'as mis Patrick Sébastien? Pourra. Ah putain, je peux pas les regarder, fais chier. Bon, c'est pas grave, je Je regarderai. t'en dis, je la mets au haut-parleur, même si ce serait dégueulasse comme qualité. Ouais, bah, si tu veux. Ouais. C'est tellement n'importe quoi. Ah putain. C'était bien beau, hein. Tellement. Putain. Bon, bah écoutez, nous on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à Twitter, Facebook comme d'habitude. Ça défile depuis le début du live juste au-dessus. Et bah nous on se retrouve quand? Là, c'est une excellente question. Peut-être demain, écoutez, si j'ai envie de faire un petit live et tout, n'hésitez pas également à m'en réclamer. Ça me ferait plaisir que vous me disiez que vous avez envie de voir un jeu, etc. Bon, j'ouvre mes volets bon, après et j'allais un peu dehors parce que vous voyez, il La fait beau et lumière tout. du jour. C'est que t'as dit quoi? La lumière du jour. Ouais, la lumière du jour, ça va me faire du bien. Et voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Allez, je vous remercie, Benji15, Monsieur Salami qui a attendu là très longtemps pour un live, ça me fait très plaisir. Donc Alexis, Benji, Juken qui est parti il n'y a pas longtemps. Enfin tous, Antonin, etc. Tango, merci, ça fait vraiment plaisir que vous ayez participé. Et même ceux qui n'ont pas parlé sur le chat, c'est pas grave, je vous en veux pas plus que ça, vous avez regardé, c'est déjà beaucoup. Mais surtout, n'hésitez pas, hein, si vous... Voilà, c'est là... C'est l'avantage du live, c'est pouvoir me parler en direct. Ça fait tout à fait plaisir. Allez, bah, je vous remercie. Et puis, je te remercie surtout toi, Théotime. Et Rien. bah, écoute, si tu veux refaire des lives, c'est avec grand plaisir. Ouais. Et tu t'invites même, il n'y a pas de problème, tu vois. Je débarque. Débarque. L'appel Skype que tu perçois. L'appel Skype furtif, tu vois. Voilà. Allez, on fait ça. Ah, bonjour, Cornebuche. Bah, je suis désolé, mais c'est fini. Il y a toujours un mec qui se ramène juste à la fin du live. Tu comprends pourquoi? Bref, allez, je Ouais. vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Ciao Théo. Au revoir.